Ouais, survivant. Bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, ce matin-là, on vient de se réveiller. On se retrouve pour la fin de l'event. Donc, nouvelle partie de l'event, comme vous avez vu, il était en plusieurs parties. Et donc là, il y a ceci qui vient de s'ouvrir. Et avec ceci, on a ce nouveau pack-là qui vient d'arriver, avec les petites caisses de déploiement qu'on récupère. Et on va le prendre, on va essayer de l'avoir. On va voir si au moins je suis chanceux avec ça. Et après, moi, ça m'intéresse pas. Il n'y a que le premier pack qui m'intéresse. Ça, les héros, ils sont déjà finis. Accélérateur, plasma. Je vais pas reprendre juste fort pour ça. Il y aurait eu des fragments généraux. J'aurais pris, mais là, plasma, accélérateur. C'est bon, je suis blindé. Et ces fragments-là, je les ai aussi. Donc, voilà. On va prendre le premier pack. Et on a récupéré les 15 caisses. On essaye, on voit ce que ça donne. On va voir si je suis cocu, si j'ai de la chance ou pas. Les 15 par 15. Allez, tu veux pas me donner de skin, hein? Truc de ouf. Suis épuisé. Je suis épuisé. Non, pas de caisse. Et là, ça, c'est nos kits qui sont reset. Hop, c'est les kits là qui sont reset à voilà, moins 50% avec UA, ouais. On se retrouve avec le pack à 100 balles, on l'a à 40 euros. On verra ça après. On va voir. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous ont déployé aujourd'hui. Alors, réapprovisionnement de 2500, donc c'est le truc quotidien. On récupère. Oh, on va récupérer des œufs tous les jours, ça c'est cool ça. Ouais, donc ça sert à rien de prendre tous les packs maintenant, faut attendre le dernier jour. Oh, tu récupères quand même pas mal d'œufs. Oh, donc que des œufs, pas de décoration. Zéro décoration, rien du tout. Même pas un œuf à caler sur le. Donc on va se retrouver où tous les jours, on va devoir faire les missions. Quotidienne. Approvisionnement 5000, entraîner des troupes, tuer 5 infectés, etc. etc. Ok, ouais, c'est comme un event de skin de déploiement. Et on revient toujours ici. Je crois que je vais vraiment le prendre. Hop. Je pense que je vais vraiment prendre ce skin. Parce que je vais pas batailler. Les autres skins, je les ai. Il me faut juste le super skin de BK, et je sais que je l'aurais pas. J'ai pas envie de mettre 1000 balles là-dedans. Pour cet event-là. Non. Ah ouais, allez, vas-y, viens, on va prendre ce skin. Je l'ai pas. Au moins, on le récupère. Ah non, je vérifie, je fais pas une connerie. Yes. A look ensorcelante. Yes. Voilà. Hop, on a récupéré notre skin. On va aller voir ce qu'il donne. Hello, nouveau mon skin. Nouveau. Activé. Permanent. Utilisé. Hop. Je ne l'avais pas pris exprès pour pouvoir vous faire une petite vidéo sur le skin event de marche avec elle. Voilà, chose qui est faite. Ah, avec, en plus, avec la vieille en photo. Non. Donc bref, voilà. Et pour ce skin event, voilà, va falloir faire les tâches tous les jours ou prendre les achats directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre les 2 jours, donc les 3 jours. Aujourd'hui, faites les missions. Demain, faites les missions. Après-demain, faites les missions. Et vous voyez ce qui vous manque comme point. Mais... Ah là là, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas trop fan, moi, des jeux de hasard comme ça, hein. Je suis pas trop fan. Je préfère payer avoir mon skin que payer et jouer pour essayer d'avoir mon skin. J'aime vraiment pas ce genre de skin. Hein, vous le savez, les jeux de hasard comme ça, on casse, on sait pas ce qu'on a. On verra. Mais bon, voilà. En tout cas, il y en a énormément qui l'ont gratuitement. Donc c'est vraiment cool. Le taux de drop a été changé. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, nous, on galère toujours pour l'avoir. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ciao, ciao!